Chers compatriotes, je suis amené aujourd'hui à intervenir suite à un article paru dans Vision Guinée où je demande la dissolution du FNDC. Beaucoup de personnes se posent la question aujourd'hui, comment je peux demander la dissolution du FNDC au même moment, j'insiste, je persiste et je signe que le FNDC n'existe pas, c'est le néant. Je dis, c'est bien possible. Le paradoxe en droit, c'est que vous pouvez exister matériellement pendant que juridiquement vous n'existez pas. Tout comme vous pouvez exister juridiquement pendant que matériellement vous n'existez pas. Si le FNDC existe matériellement, a une capacité de nuisance, mais sur le plan de droit, le FNDC n'a aucune personnalité juridique. Par conséquent, au regard de la loi, le FNDC est égal à néant. Donc, si je demande aux autorités de la place de dissoudre le FNDC, cela veut dire c'est mettre fin à ses capacités de nuisance. C'est ce que je voudrais dire. Bonjour, mesdames et messieurs. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une excellente nuit. Et là, nous sommes aujourd'hui avec Monsieur Macanera, le caméléon, l'homme fort. Ah oui, il faut l'applaudir, il faut applaudir ce monsieur, il est excellent. C'est un excellent juriste, ce monsieur. Les acrobaties ont commencé et ça nous effraie. Il faut qu'on conseille au colonel Mamadi Doumbouya, il faut qu'on lui promulgue des conseils. Monsieur Macanera, ça ne marchera pas. Depuis qu'on vous a cité dans l'affaire là, vous avez commencé ce que vous savez faire. Mais ça, ça ne marchera pas. Vous allez répondre de vos actes. Vous n'allez pas fuir. Non, il n'y a pas de séduction. Ça, ça ne marchera pas. Cette technique-là, nous les Guinéens, nous la connaissons. Vous nous avez appris, Monsieur Macanera, vous aussi. Je vous ai dit, restez calme. Vous faites trop de sorties maintenant médiatiques. Restez calme. Les autres qui sont cités là, les autres, ces gens-là, ils sont calmes, restez calmes. Ou bien vous voulez vous faire voir, vous voulez rester dans la danse, hein, Monsieur Macanera? Vous voulez vous faire plaire aux yeux du colonel Mamadi Doumbouya? Il faut dissoudre le FNDC, juridiquement, pratiquement, nanani, il faut dissoudre le FNDC. Le FNDC vous a fait quoi? Si le FNDC aujourd'hui doit faire quelque chose, c'est au CNRD. Le FNDC n'a absolument rien à voir maintenant avec le RPG arc-en-ciel. De toutes les façons, le RPG arc-en-ciel n'est pas au pouvoir. Laissez le FNDC tranquille. Pourquoi voulez-vous qu'on dissoute effectivement le FNDC? Pourquoi voulez-vous, M. Macanera? Ou bien vous pensez qu'en disant cela, ça va donner les ailes au CNRD, au colonel Mamadi Doumbouya, de dissoudre le FNDC? On dira oui, ce sont les conseils de M. Macanera, il s'est rendu utile. C'est ce que vous voulez dire? Non. Le FNDC, on va garder le FNDC comme ça. Le FNDC ne fera pas de manifestation. Non. Le FNDC même est fatigué. Le FNDC même est étonné de votre comportement. Vous pensez que vous êtes l'homme le plus réfléchi de la Guinée, quoi. Vous pensez que vous êtes l'homme le plus visionnaire, qu'on doit vous écouter, on doit exécuter ce que vous dites. Monsieur Macanera, ça ne marche pas comme ça. Hein? Vous voulez combattre tout le monde en Guinée? L'UFDG, le FNDC, il faut dissoudre sa capacité de nuisance. Le FNDC fait quoi au CNRD? Hein? C'est des patriotes. Si ça ne va pas, on tape sur le CNRD. On le rectifie. S'ils prennent des décisions tordues, on les tape, on dénonce. Le FNDC, c'est pour nous, la société civile. Reste cool.